tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien comme d'habitude. Nouvelle série que je commence. J'espère que vous allez... J'espère que vous allez apprécier. L.A. Noire, un jeu, c'est relativement vieux. Mais j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques de ce jeu-là. Ça fait longtemps que c'est sorti. C'était sur console, je crois, exclusivement. Maintenant, c'est sur PC. J'ai payé 4,24 $ canadiens. Fait qu'on s'entend-tu que c'est pas trop cher. Fait que si c'est pas bon, c'est pas la fin du monde. Mais c'est ça, c'est un type de jeu qui a de l'histoire. C'est fait par Rockstar, ceux qui font GTA. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'une histoire, fait que je pense que ça serait un let's play qui serait pas pire, parce que justement, il y a une histoire à suivre, il y a quelque chose. Là, Brit, si t'écoutes ça, j'espère que t'es content. C'est Brit of Fire, sur Skype, plus de bonheur dans la journée, plus de dans ma soirée à moi, qui disait justement, hey, ça donne un bon jeu, ça ferait peut-être un bon let's play, ça. Puis j'ai regardé, puis je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça ferait peut-être un bon let's play, fait que... Pour le moment, je te dis merci, Britt, mais peut-être qu'à la fin, je vais tellement avoir détesté le jeu que je vais t'haïr, Britt, mais c'est ça. J'espère que t'apprécies, c'est toi qui m'as donné l'idée. Fait que c'est ça, j'espère que vous appréciez, on va commencer une nouvelle partie. Ouh, ma souris, c'est comme... La souris, elle suit pas comme un peu. Hein. Je bouge vite, puis il y a comme un délai, c'est pas grave. Alright, bon ben nouveau, j'ai tout mis en français. Je sais pas si les séquences, les paroles vont être en français, l'audio va être français, mais les sous-titres devraient être en français. Parlant de sous-titres. Affichage, sous-titres avec, ouais. Juste faire ceux qui sont dessus. Ça, même si l'audio, vous ne l'entendez pas, quelque chose, ben vous allez pouvoir. Hey, j'ai manqué un mot. Ben, ça va être marqué en bas. Ok, on commence-tu? On commence. Nouveau. Là, s'il y a des scènes, je vais me fermer la gueule. Me fermer la gueule, puis on va écouter les scènes. Je pense que c'est la moindre des choses, hein? A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. The symbol of freedom and vitality. C'est plate, c'est en anglais, là, mais... Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. City of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Bon, ça a l'air que la scène est finie. Ça, en passant, c'est un jeu. Premier épisode, je pense que je vais la faire un petit peu plus courte. Donc, j'arrête pas là, ça c'est définitif. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Get a
16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam, en route. Bon, nouvel objectif, inspecter la scène de crime, véhicule débloqué, Ford Special Police. Ok, je pense que c'est un peu style GTA, comme on peut voir. On va aller se promener. Ça, comme je le dis, je ferai pas un épisode extrêmement long, la première, parce que je vais avoir beaucoup de vos opinions. Je veux aussi voir si le son est correct, tout ça. Fait que le deuxième épisode va être plus long, mais ça va être au moins dans les 20 minutes. Allez. Parce que le son semble fort, mais pourtant je l'ai baissé. On va aller vérifier juste pour être sûr. Mais c'est ça, je vais vérifier. Ok, fait, il est baissé. Pourtant, dialogue, je l'ai mis fort. Parce que je voulais que les dialogues soient forts. Ok, ça a de la correcte demain. On va retourner dans le jeu. Ouh, quelle puissance! Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. C'est ça, ce que je voulais dire. Épisode moins long, justement, pour pouvoir vérifier l'audio, si de bien aller. Puis aussi voir de vos commentaires. C'est très important, premier épisode, je vais avoir de vos commentaires. S'il y a quelque chose que vous voudriez que je change. Là, il y avait les sous-titres en français. J'ai pas rien lu, mais voulez-vous que je les lise? Ou que je fasse un effort? Des fois, je pourrais pas peut-être... J'aurais peut-être pas le temps de les lire avant qu'ils changent de sous-titre, qu'ils en mettent un autre. Fait, est-ce que vous voulez que je les lise? C'est important. Donnez-moi des opinions, n'importe quoi d'autre. Ouh, ça tourne sur Edison, ça, comme on dit par ici. Ouh. On va essayer de pas se planter. Adas a vraiment le... Oh! Scène des crimes, ruelle, 22h20. Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. OK. Il semble... Bon, faut que je trouve le fusil, le revolver, l'arme à feu. This is a fist pump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right. Have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. OK. Pas de problème, mon ami. C'est quoi la lumière qui flash, là? C'est comme décide-toi, man. Tu l'allumes, ta lumière, ou tu l'éteins? Look at this junk. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? C'est des bouteilles. T'as jamais vu des bouteilles dans ta vie? Ça, c'est un journal. It's not my job to pick through other people's trash. Oui, c'est ta job, mec. C'est ton boulot. Fait que ferme ta gueule, puis fais ton boulot. What have you got, Phelps? Anything? J'ai un truc rouge. Un Jesus. Beau truc rouge. Tu l'as-tu vu? Viens voir ça. Je m'en viens. Jeez. Pire que ma copine. Viens ici. OK, oui, c'est du sang, ça. Ça, là, la tête, elle a éclaté. I'm jinxed. I always get landed with this crap. Ouais, je sais. Pour moi, il doit du cerveau, là-dedans. Appuyez sur 1 pour inspecter un objet. Ah, ta gueule. On inspecte. Nouvel indice, stache de sang. C'est ça que je pense. Mais il était pas... Ça ne compte pas comment tu vas, une fois que tu es parti. Ne me pas Phelps. OK, appuyez ça pour cesser d'examiner. Ça, j'allais dire, mais il devait pas être à côté sur le mur, parce que pour la grosseur de la tâche qu'il y a, il a fallu que le sang y gicle. Fait qu'il devait être au moins à un pied, deux pieds du vent. J'ai écouté Dexter, moi. Je connais ça. OK, quoi d'autre? T'es pas mal cute avec ton petit uniforme bleu. On peut-tu ouvrir la porte? Je peux-tu licher la porte? Ouais, c'est du sang. Ouais, il y a du cerveau et tout dedans.
quelque chose par ici? Je perds-tu mon temps d'aller par là? À date, j'aime l'ambiance de ce jeu-là. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été fan des affaires de gangsters, Al Capone, des affaires-là. Les années 30, années 40 aux États-Unis, les affaires de gang. C'est quoi ce char de police-là? C'est pas le nôtre? C'est un char de police ou c'est un... C'est quoi? Police. Pourquoi j'ai serré ma spotlight? Ah, oh, faut genre... Ok, non, c'est mon char. Wow! C'est-tu mon... What? Je pensais que j'arrivais de là, moi. Ok, je suis dans la scène de crime. Fait que si je traverse ça, ben il est char de la scène de crime. Ok. Faut-tu que je découvre des indices à faire de même? Ok, on va regarder. Je peux-tu regarder là-dedans? Non! Je l'ai déjà regardé, ça. Peut-être un témoin, là, où il y a la lumière qui flash. Ok, on va aller par là. Il y a une bouteille à terre, là. Non. Sais-tu, je pensais avancer vers une gouttière pour grimper. Ah, ok. Je veux pas. Ah, tiens, il y a une gouttière là. Ça doit vouloir dire qu'il faut que j'aille sur le toit. C'est un relativement vieux jeu. Pas vieux, vieux, vieux. Mais je m'attendais à des graphiques pas mal pires que ça. C'est pas si pire. Ah, ah, ah! Qu'ai-je trouvé? Ha, ha! C'est quoi ça? C'est une brouette, hein? Non. C'est une lampe. C'est quoi? Utilisez WASD pour manipuler un objet et chercher des éléments importants. Maintenez la direction lorsque la caméra zoome légèrement pour faire un zoom avant. Smith & Wesson, serial okay, S71893. Cool. Fait qu'il y a un numéro de série, fait qu'on pourrait peut-être retracer. Le numéro de série n'a pas été... Appuyez sur 1 pour observer un objet en détail. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Il voulait qu'on le trouve. Interesting guy. Peut-être qu'il voulait qu'on le trouve. Mais là, il a... tu l'as pris dans tes mains, même. Now, the perp tries to leave town. Ok, y a-tu d'autres choses? Ok, il y avait un message marqué en haut. Je l'ai pas. On va redescendre. Je voulais dire, il va avoir mis ses empreintes digitales partout dessus, mais je pense dans les années 40, les empreintes digitales. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Non, mais let's go. Utilisez le carnet pour définir votre prochaine destination. Ok, comment on fait pour utiliser le carnet? Appuyez sur 1 pour ouvrir le carnet. Tab. Ok. Tout bien réfléchi. Individu, indice, lieu. Appuyez sur 1 pour choisir une page. Ok. Quelle page? Lieu. Ok. Scène des crimes ruelles, armurerie. Ils ont repéré par ordre de découverte. Ce lieu peut être défini comme une destination ou être indiqué sur votre carnet. Choisir comme destination. Ok, là je vois ça. It's not really our gig. Ta gueule! No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little boy scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? Ta gueule! You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ouais. L'autre nuit, ta femme me l'a dit que t'étais un perdant. C'est quoi ça? Oh, c'est juste une... Ok. C'est rien de spécial. Nothing special. Je regardais l'affaire, là. Je me demandais c'était quoi. Mais c'est ça. On peut-tu courir? Ah! Haha, je suis plus vite que toi.
suis dans le chemin. Tu peux pas passer. Oups, là, je suis pogné dans le mur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pris là. What? Ça peut juste vérifier des fois que ce serait mon clavier qui aurait flanché, ce qui arrive de base, c'est une base régulière. Ah oui, c'était mon clavier. Ok. Ouais, je m'en viens. Comment je fais? Appuyer sur E pour monter dans un véhicule. Excellente. Excellente, Mr. Picante. Ok, on s'en va à l'armurerie. On va aller faire un petit tour là. Circuler, y'a rien à voir. Je sais comment diriger le véhicule, je me suis rendu ici. Appuyez sur S pour freiner et maintenir la touche pour reculer. Ok. Appuyez sur H pour activer la sirène. Wouhou! Appuyez sur pour utiliser. Votre destinataire est indiqué par une icône jaune. I know. Appuyez sur F pour demander votre. Copier où aller. Hein? Take this left. Oh, jeez. Ok, mon coéquipier, c'est mon coéquipier, c'est mon GPS. Ok, la sirène. Wow. Regarde où tu vas. On est aussi dangereux, malade. Non, mais sinon, ça va pas chauffer. Il chauffe du bon bord du chemin. C'est comme, allô? Faites comme moi, chauffez de l'autre côté. Ben, du côté que ça vous tente. C'est où? Ok, c'est là. Miaou. Wow. Je suis pas pêche. Dans la vraie vie, je chauffe de même, de toute façon, pour vrai. Bon, ok. Armurerie, 22h40. Oh, des canards. Je veux un canard. Sauvegarde en cours? Pourquoi sauvegarde en cours? Je peux pas sauvegarder quand que je veux. Ah! Fait qu'il va sauver. Il va sauvegarder quand il me dit. Bon. Parce que si je vais arrêter l'épisode, je suis mieux d'avoir une place que ça a sauvegardé. Fait que je suis peut-être mieux d'arrêter ici. Ok, ça va être un épisode relativement court. Ben, je pense, je regarde mon compteur, 17 minutes, peut-être 18 minutes. Fait que je vais arrêter ça là. Puis je vais attendre vos opinions. Comme je dis, je vais aller voir l'audio, puis les affaires-là, le graphique, si tout est beau. Puis si tout est beau, ben au moins le prochain épisode risque d'être plus long. Elle va être plus longue. What are we waiting for? Ah, ta gueule! Hein, je peux-tu le frapper? Je peux-tu... Juste une tape sur le bord des oreilles. Ouais. Hein? Tu peux me reculer? Hein? Hein? Tu vas-tu me parler de même encore? Ouais, mon... C'est... Fait que c'est ça. Si vous avez aimé le Saint-Gem, ne vous gênez pas. Commentaire, gênez-vous pas, c'est important. Là, quelque chose qui devrait changer, quelque chose qui vous tape sur les nerfs, quelque chose que vous voudriez voir, c'est le temps. Puis si vous avez d'autres choses à dire aussi, ne vous gênez pas. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Fait que je vous vois la prochaine fois là. Bye!